Voilà, là, je tente une première présentation entre ma butter et mon mal Améla. Donc, encore une fois, je stimule. Ah, moi, je vais comme ça stimuler. Réceptif, le mâle aussi. Je fais juste des trucs comme ça. Et on voit les petits spasmes qui font. Du tout en période de repos, on est mi-septembre, c'est juste pour voir première présentation avec un gros mâle et une femelle. Là, ma femelle stimule un petit peu le mâle. Le mâle fait, il est réceptif. Voilà, la femelle aussi. Voilà, le mâle, on voit qu'il commence à faire des petits à-coups. Donc ça veut dire qu'il est prêt, qu'il commence. Voilà. On commence à bien voir les petits à-coups qui forment. Voilà. Voilà, vous pouvez voir le mâle, voilà. De temps en temps, le mâle fait un petit à-coup. Je restimule encore un petit peu. On voit que le mâle commence à faire des spasmes. Donc ça veut dire qu'il est réceptif un petit peu à la femelle. Voilà. Là, on vient de le voir. Si je le laisse un petit peu tranquille, que je reviens après, il y aura repro. Voilà. Voilà, là on voit le mâle qui commence à faire des petits à-coups. Voilà. Ils font comme des petits spasmes et les queues, voilà, se rapprochent. Voilà, regardez. Hop. On voit que le mâle commence ses petites parades. Voilà, même hors saison, accouplement, on peut constater que le mâle est réceptif et la femelle aussi. 4 minutes que je les ai mis ensemble et voilà. Spasme qui fait. Voilà. Là, vous pouvez bien voir les spasmes qui fait. La femelle n'a pas l'air de trop s'enfuir. Voilà, lui va suivre le corps de la femelle.
Je vais le laisser un peu tranquille et puis je vais venir voir si le repos se fera. On voit vraiment que le mâle est chaud. Voilà, regardez. C'est ça qu'on voit, que le mâle est chaud. Voilà, il s'enroule près de la femelle. Voilà, et il commence ses petits coups. Femelle buteur et mâle. Ah, mais là, possible la vase. Voilà. L'accouplement commence. On va voir, on va fermer ça. On va voir, on va fermer. Les laisser un peu tranquille. Et on reviendra pour voir. Pour tenter. C'est chaud, il suffit juste de mettre la femelle avec le mâle. Voilà, hop, on voit que le mâle fait ses spasmes. Ma femelle a pas l'air de trop s'enfuir, donc elle est peut-être déjà prête. Les Pantherophis guttatus, vous pouvez tenter une repro. Voilà, là je sais pas si on voit bien, mais le mâle a soulevé un peu sa queue. Donc lui, il n'y a pas de problème. Son un mâle peut être en repro toute l'année. Cherche après la femelle, elle va juste un endroit. Premier repos pour elle, pour lui je crois aussi. Bon. C'est juste pour voir les amis. Voilà. J'ai tout retiré, ça sert à rien, ils vont tout démolir s'ils commencent. Je vous dis, on est hors saison. C'est juste une première approche. Et le 16 ou 17 janvier, 16 janvier, 16 septembre, pardon. Les repos se passent, voilà. Début janvier jusqu'à avril, mars, avril. Allez, c'est bien. Donc ben là je contacte que mon mâle est prêt, femelle aussi, première fois qu'ils sont ensemble. Cherche à glisser sur elle. Bon, elle bouge pas trop sa queue, donc moi je dis que voilà, comme il fait là-bas, voilà, vous voyez, il veut se mettre sur elle et suivre, juste arriver à sa tête. Voilà, voilà, là. Ça va arriver. Moi j'ai qu'un moyen. Bien réceptif tous les deux, mais on va voir si la femelle accepte. On va voir. Je sais pas, c'est juste une première approche, c'est tout. Il peut faire ça pendant un petit temps.
puis le repos, l'accouplement se fait. Alors, ils approchent les queues, vous allez voir comme les autres vidéos. C'est pour les rester au mois de janvier. Voilà, là le mal commence. Là. Voilà, là le mal commence. Sur la phase du mal, moi ça m'est là, mais bon, petite idée. Le temps que voilà, il commence les petits spasmes et que les queues se rencontrent. Voilà, bon, la femelle bouge un petit peu. Il faut le temps, ça c'est la femelle qui dit, c'est pas le mâle. Hein. Où est-ce qu'elle va se coincer elle? Ça c'est ma femelle la jaune. C'est bien. Ce n'est pas une butter motelée. Non non, elle a plusieurs trucs. Déjà elle a une petite ligne, un petit stripe. Puis elle a des écailles un peu noires comme ça de temps en temps, un peu de blanc. Ce sera pas pour la repos, pas pour cette année. Bon, ma femelle elle est là-dedans normalement. Ouais, c'est bien. C'est un petit peu d'intimité. On voit là-bas. On voit pas bien sur la photo, mais.
15 minutes là, première approche. Je vois que quand même si je peux, je les laisse, je suis sûr que ça se fait. Mais bon. Comme ça, c'est bon signe, malgré que la femelle veut se tenir. Le mâle est un petit peu con, hein. Je crois que c'est sa première. Chaud, c'est pas les périodes, mais bon, on a essayé. Femelle, voilà le mâle. Moi je pense que en les laissant tout seul, il y aura quand même. J'aimerais bien poser ma caméra pour voir. Mais je vois que le mâle il fait que pousser sur elle. On dirait qu'il cherche juste à comment je vais dire, qu'il cherche juste à me dans leur maison quoi. Grossir un peu et voilà, je leur mets là les petites cabanes et je vois ça après. Petite pause, voilà, là j'ai mis la cabane, il rentre là dedans. Prochaine tentative, c'est moi aussi, on verra. Bon, en tout cas, même dans la maison, voilà, je les vois faire des petits spasmes. Possible que ça se passe dans la maison. On va voir. Voilà, là, je les ai remis chacun dans leur terrain. Juste une première approche. Voilà, j'ai vu que même hors saison, il y avait moyen. Voilà, ma
femelle doit prendre encore quelques grammes et ce sera bon. Elle est repartie. Elle fait 340, on va attendre 400 grammes et ce sera l'idéal. Voilà. Allez, salut.